chapitre 29 ainsi que le chapitre 30. Paul a joué également à Romains 10, verset 6 à 7. Paul en parle dans Romains chapitre 10, le verset 6 à 7. Avec un mot justice de la foi. Il appelle cela la justice de la foi. Il y a un mot qui dit que le Seigneur qui est bouillot, quand il y a un mot qui est à la salle, il y a Dieu n'est pas au ciel. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'après que Moïse y traitait l'alliance avec Israël, il avait dit que Dieu n'est pas au ciel. Voilà pourquoi je t'avais dit que quand tu continues à faire la lecture dans la Bible, après cette alliance, après juste l'alliance, tu verras plus la colonne de feu ou de nuée marcher encore au-dessus d'Israël. Le travail qu'effectuait la colonne de feu des nuées au-dessus de l'Israël. Déterminons 29, il y a encore une autre alliance où ils apportent que Dieu est descendu. Comme Déterminons 29 nous montre comment il y a une autre alliance qui est venue, qui montre que l'Éternel est descendu. Voilà pourquoi le travail de la colonne de feu, c'est l'arche maintenant qui l'effectuait. L'arche maintenant, ça n'a qu'à 2000 coudées à peuple. Et l'arche qui était à la distance de 2000 coudées, c'est l'arche maintenant qui orientait le chemin aux enfants d'Israël. Un mouvement les a très utile dans la Bible. Tous ces mouvements dans la Bible sont très importants. Parce que Dieu a mis tout par l'écrit. Amen. Amen. Ne cherche pas à chercher des prédications dehors des Écritures. Les prédications sont énormes dans les Saintes Écritures. Et tu vas remarquer ainsi, Moïse a commis Deutéronome pendant 30 jours. Moïse avait rédigé le livre de Deutéronome pendant 30 jours. Comment nous comprenons cela? Parce que lorsque nous avions lu cette écriture, il y a Deutéronome 1, Deutéronome chapitre 1, verset 3, ils étaient déjà dans la 40e année, la Bible fait mention de la 40e année, au 11e mois. Amen. Mais Moïse a bandi au Pessa Deutéronome. C'est alors que Moïse a commencé à donner les livres de l'Éternel. Il a dit dans 11e mois. Amen. Les premiers du mois. Amen. Maintenant, on est dans Deutéronome 34. Dans ton livre de Deutéronome 34, quand nous prenons Deutéronome chapitre 34, dans verset 6, verset 6, l'Écriture nous dit, dans une même verset 8, pour la Kedemba. Pour aller plus vite, je prends le verset 8 d'abord. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël plairaient Moïse pendant 30 jours. Bana Israël et Banela qui mose Nicolo Mwambe. Dans les pleins des mois. Nicolo Tukumisato na li na Banela moi. Donc c'est que. C'est-à-dire, pendant 30 jours. Après avoir eu le temps de pleurer Moïse pendant 30 jours, et Josué a joué. C'est alors que Josué avait eu le travail à effectuer. Josué a joué na une autre année. Josué avait reçu le travail dans l'autre année qui commençait. Parce que le véritable Josué, c'est Christ et Jésus. Car le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Moïse a commis livre. Na 11e mois. Voilà pourquoi tu verras que quand Moïse a fini de rédiger les livres de l'Éternel au 11e mois, ici, et une fois fini, à Kofi. Il est mort. 11e mois ici. Et là, le 11e mois est fini. Après à Kofi, Balélie 30 jours. Après, quand il est mort, on l'a pleuré pendant 30 jours. Donc Balélie 12e mois. C'est-à-dire, Moïse, on l'a pleuré au 12e mois. 12e mois, il a soukaya. Le 12e mois, c'est la fin vraiment de l'année. Donc, tant qu'il y a un mot ici, quand cette année vraiment a pris fin, et quand on voit que Yélinga n'a qu'à dire dans le bas qui est Moïse a couché à cause de péché. Une chose m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais fait mention que Moïse était mort à cause de ses péchés. Et ça, utile. Ça, c'est très important. Car nous l'avions lu, vous n'avez pas cru. Dieu avait dit, toi et Aaron, vous n'avez pas cru. Autant il y a un. Nous venons de l'écrire. Cela n'est pas hors des Écritures. Et ça, cela est ainsi pourquoi. Pour la mort à Jésus.
juste pour parler de la mort de Christ. Jésus a commis notre incrédulité. Jésus était devenu notre incrédulité. A commis notre péché. Il était devenu notre péché. On dit maudit et quiconque pendit au bois. Amen. C'est ainsi qu'il fallait que ce signe-là soit remarqué chez nous. Alors Dieu m'a frappé toujours. Amen. Afin que Bokota. Amen. Bokota na mobuyasika. Afin que vous rentriez dans une nouvelle année. Dana za frappé. Moi, Moïse, je suis frappé. Bokota na année nouvelle. Pour que vous entriez dans une nouvelle année. Parce que Olélaé les amis ici ici mon bouton. Parce que donc les Israélites qui ont pleuré sur Moïse, cela a fini toute l'année. Choconjuin, Josué chapitre 4, verset 19. Si tu prends Josué chapitre 4, le verset 19. Dans Israël a zopati sa Jourdain. Lorsqu'Israël traversait le Jourdain. Le peuple sorti du Jourdain le dixième jour. Du premier mois. Bote Rimaki na Yaradene Mukolona Jombi na Santa na Libosh. Et il campa à Gilgal. Et à Fanta Kiatiaki Emma na Gilgal. À l'extrémité de Jericho. Na Sukakuna na Jericho. Ils ont prouvé. Ces versets prouvent que année moko Israël qu'une année avait déjà fini. Maintenant Josué babandi année nouvelle. Maintenant Israël et Josué ont commencé une année nouvelle. La terre du repos. Dans la terre du repos. Amen. Vous aurez un moment. Tu écoutes très bien. Donc ils ont dit une année de grâce. C'était l'année de la grâce avec Josué. Amen. Écoute ici Israël, la terre promise. Cela a introduit Israël dans la terre promise. Parce que Zambé a frappé l'incrédulité qui était à Moïse. Car Dieu avait frappé l'incrédulité qui était à Moïse. Il le dit, le châtiment qui nous donne la paix. Amen. Est tombé sur Jésus. Amen. Dieu était irrité contre Jésus. Amen. Vous aurez la malade. J'écoute très bien. Et Dieu me laisse. Amen. Donc ma peine à la yo et comme qui est. Donc tes mal et le mien étaient devenus Christ. Et comme on angaï. Mais et comme que la personne de Jésus était devenu Jésus-Christ. Yango Moïse a Seigneur qui a couffa. C'est ainsi qu'il fallait que Moïse meure. Incrédule. Étant incrédule. Nous nous suivons très bien. Ceux qui patrouillent, on dit que les apôtres, Christ a fallu comme l'incrédulité à la croix. Si on te posait la question, réplique que c'était parce que Christ à la croix était incrédule. Et ça va qui porte compte à l'année nouvelle. C'était pour que nous rentrions dans une année nouvelle. Mais cette année-là, Zambé déjà a bongi sa macambodion sur par écrit. Et Dieu avait tout préparé par écrit. Alors, moi qui les hommes. Il avait dit que les hommes n'attendent rien, bon parce que n'allons pas qu'ils t'auto sur l'année longue en trois présentations des hommes dans l'année. Je vais dire cela car je vous avais déjà prévenu que nous parlerons aujourd'hui sur les trois présentations des hommes dans l'année. Aujourd'hui Exode chapitre 23. Nous prenons Exode chapitre 23. Nous autant là un bon verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Trois fois par année. Par année sato nambula. Tu célébreras. Voilà verset 14. Tu célébreras la fête à mon honneur. Oko sala milulu na kombonai. Nazui verset 17. Je prends le verset 17. Et à verset 20, à chapitre 23, Exode. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur éternel. Les hommes en Israël le savaient que dans une année, ils s'approcheront au devant du Seigneur. Trois fois. Ça
Ça, c'est toute une loi que Dieu avait établie. Chocomoni année. Lorsque tu verras seulement l'année, il va y avoir trois présentations des hommes. Sache que dans cette année, il y aura trois présentations des hommes dans cette année-là. Chocomoni texte, il y a Jésus année qui parle. Tu vois le texte de Christ dans Luc chapitre 4. Tangwa tanga ki holo. Lorsqu'il a fini de lire, a expliqué. Il n'avait pas expliqué. A kangi holo. Il avait roulé les rouleaux. A pêché en bois. Après l'avoir fermé, il a remis entre les mains du sacrificateur. A kenae kofa. Et puis il est allé s'asseoir. Alors, tous. La Bible dit que tous. A tourné au son assal. Tous ceux qui étaient dans la synagogue et tous commencèrent à regarder Jésus. Tous ces mouvements-là sont significatifs. Quand tout le monde a regardé Jésus, tout le monde. Maintenant, Jésus a commencé à parler. Aujourd'hui, les chrétiens qui n'ont pas été au temps, ont été debout. Ils venaient de lire l'écriture étant debout. C'est accompli quand vous êtes assis. Et cette écriture-là s'accomplit quand il est assis. Quelle est la Bible? Attention avec le mouvement de la Bible. Quand vous êtes allé à côté, le temps qu'il était debout, c'est un temps parabolique. Ah, mais c'était le temps des paraboles. Daniel, son ministère, là. C'était tout le temps de son ministère. Tiens, c'est laissé. Jusqu'à ce qu'il a fini. A expliqué Israël, t'as ça, il n'y a pas de. Il n'avait rien expliqué à Israël. Maintenant, à Kofi. Maintenant, quand il est mort. À Sekwi. Il est ressuscité. Accueilli au Fanda, à l'Ombo, à Mibali, à Tata. Amen. Il s'assoit à la droite du Père. T'as quoi, Fanny? Mais quand il est assis. Il faut attirer les regards à tous. Amen. Il faut qu'il attire les regards de tout le monde. Amen. C'est ça le mouvement, les gars. Tu ne penses pas que quand Jésus était là, et la français. Toi, tu comprends ça en français. Aujourd'hui, aujourd'hui. Dis-moi, aujourd'hui. Voilà, en fait, interprète avec lui, les loups. Là, maintenant, quand c'est lui qui interprète, dit aujourd'hui. Donc, comme on dit, quand Jésus avait dit, on a la main grâce pour qu'il s'amène. Non! Tu penses que quand Jésus était là, la nuit de la grâce s'est accomplie? Non! Quand on a la vie des mots à expliquer! Quand il lisait étant debout, il n'avait pas expliqué. Moïse avait dit, lève-toi! Moïse avait dit, lève-toi! Afin que tes ennemis vont se disperser! Afin que tes ennemis se dispersent! Quand on a dit, on a dit pour un combat! Et quand tu étais venu, c'était pour un combat! Ça lui lève de la croix! Amen! Nous avons fait l'œuvre de la croix! Et on sera expliqué à Israël! Tout cela, il n'avait aucunement expliqué à Israël! Permet. Et là, ce n'était que des paraboles fermées. Il y a moi, je suis là qui est dans ma zambé. Voilà pourquoi il avait remis les livres. Beaucoup est en l'âme. Les rouleaux fermés. Ceux qui capent, je suis là qui est dans ma zambé, beaucoup est en l'âme. S'il avait osé de retourner les rouleaux ouverts au sacrifice. Mais lui, c'est le message. Donc aujourd'hui, il n'y aura plus d'existence de l'église. Donc là, mais les lui sont tombés cachés. Donc nous ne serons pas sauvés. Si c'est le mensonge qu'il avait retourné les rouleaux au sacrificateur ouvert, en d'autres termes, il avait ouvert les yeux. Mais lui-même, après avoir ouvert les rouleaux, il a remis les rouleaux fermés au sacrificateur. Il n'a pas compris. Il avait refusé la confiance. Dieu vous bénisse. Amen. Pour moi, nous sommes à la sauver. Que toi et moi, nous soyons sauvés. La boisson qui sera parole, les rouleaux fermés. Voilà pourquoi il avait remis les rouleaux fermés. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Israël a les rouleaux fermés. Amen. Bateau et Massala qui voyagent en Israël. Les gens qui voyagent en Israël. Au moins, à Kena Golgotha. Il part à la montagne de Golgotha. Assume en bas de la Golgotha. Il prend quelques pierres de la montagne de Golgotha. Maintenant, quand il rentre dans le tombeau de Jésus, alors il est la côte, il y a eu qui rentre sans l'onction, la force. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Ceux qui connaissent ces actes, sacerdoces, ces actes, il faut faire très attention. Quand il n'y a pas de connaissance, il n'existe pas de sacerdoce. C'est ce que l'Écriture résout. C'est ce que dit l'Écriture.
puisqu'on méprisait connaissance, puisque tu as méprisé la connaissance, à Colombo la sacerdoce. J'ôterai mon service au milieu de vous. C'est comme ça que ça va ma parole. C'est comme ça que Dieu a parlé dans sa parole. Donc, église, vous en avez quelque part, les mêmes amis, église. L'église peut exister quelque part, on l'appelle aussi église. Selon les hommes. D'après les hommes. Ce qui est explication de la parole, est à dès qu'il n'y a pas d'explication de la parole, nous sommes ensemble, est à il n'y a pas de sacerdoce de Dieu là-bas. Et nous avons un bateau, nous avons c'est-à-dire les gens qui existent dans cette assemblée-là ne verront jamais le Seigneur. Dieu n'a pas peur du nombre des gens qui vont se perdre. À l'ère de Noé, il n'avait sauvé que 8 personnes. Tu vas pas me poser la question. La multitude des Kimbanguistes, même les Branamistes, ils sont nombreux. Par contre, vraiment ensemble. Ces gens-là, vraiment, ils n'entreront pas. D'abolingo. Seigneur, toi, le Dieu d'amour. Ça va d'abord de mon écriture. Dieu a l'amour à son écriture. Ah. À Sodome. Dans Sodome. À Dimissa 3. Il n'avait sauvé que 3 personnes. A détruit Sodome, Nachoa, dans la ville environnante. Il a détruit Sodome et Tchoa, et Gomorrhe même les villes environnantes. Et on se rend les comme exemple. Tout cela, ce sont des exemples qui existent. Et l'autre moulin est pour nous. La grande chose pour nous. Pour respecter l'enseignement de Christ. C'est le respect de l'enseignement de Christ. Et mêler à votre père. Ce n'est pas la multitude. Mêler à votre père, c'est que nous avons la vérité. Qui prouvera que nous sommes et dans ceux qui ont dit parole aujourd'hui, c'est que lorsque nous prenons la parole de nos enseignants, nous la comparons à prophètes, à apôtres acclamés. Les prophètes ainsi que les apôtres acclament ces enseignements. Alors que nous serons sûrs vraiment de ce que nous avons. Et nous verrons alors le Seigneur. On n'a pas le Seigneur te bénisse abondamment. Donc c'est qu'il faut qu'on va brûler. Je prends cette écriture pour te faire voir car je disais que tu connais ces écritures aussi. Donc ce qui aux yeux du comité, quand tu prends telle écriture, et que la malade pour terre, c'est le foyer balikomi. Il faut que tu connaisses l'écriture. Pour ta foyer du comi. Car lorsque tu as la conscience, alors que tu sauras comment il faut se conduire. Alors, il y a le verset 6e à Osée 4. Il dit au verset 6e de Osée 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple est détruit. L'Ibotanangaï est koufi. Parce qu'il lui manque la connaissance. Pour Azangi Boyebi. Il n'y a pas la conséquence, c'est vous en avez. Écoutez la conséquence du fait que tu es demandé. Puisque tu as rejeté la connaissance. Pour Yo Boaki Boyebi. J'ai péré. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Très bien. Quelqu'un peut négliger la connaissance, c'est quoi? C'est très risquant. C'est très risquant. De toute façon, méprisé, vous voyez. Une personne méprise la connaissance. Il y a même des gens qui méprisent, vous voyez, les niveaux de la sacerdoce en train de les aller ici par la matin. Sache que si tu méprises la connaissance, donc tu as déjà dépouillé de son sacerdoce au milieu. Révérend. Même les gens qui s'appellent, qui seront des révérends. Pasteur. Pasteur. Prophète. Docteur. Docteur général. Archibishop. Archibishop. Ce qui est bâti connaissance. Dès qu'ils abandonnent la connaissance, il n'y a pas de sacerdoce de Dieu. Amen. Quelle que soit leur transpiration, s'ils ne se convertissent pas, tout droit, sans frein, sans solution, tout droit vers la fin. Jésus a son tabaco yaye. Jésus cherche ceux-là qui lui appartiennent. Ce n'est pas seulement lui qui cherche ceux qui lui appartiennent. Les frères aussi cherchent ceux-là qui lui appartiennent. Il faut que tu le saches. Donc Jésus a son loupa. Jésus cherche. Satan n'a pas son loupa. Les diables aussi cherchent. Ah oh, et par quel bonheur qu'on a. Ceux-là qui ont souffri avec lui. Alors là, la terre. Il n'a même pas peur. Azawa n'a pas encore ta
peuple. On t'enseigne d'abandonner la vie de l'église. Non, 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 c'est pour que j'ai une personne. Il y a là, les gens cherchent ceux qui le partent. Voilà pourquoi il te reste dans cette position afin que tu sois comme un écobiste. Il y a des gens qui ne parviennent pas à manquer les gars toute la nuit. On s'arrête à l'époque, Et son travail, c'est toute la nuit regarder les nudités des hommes et des femmes. Sache que les hommes à la recherche de ceux-là avec lesquels ils si tu ne te convertis pas, tu ne confesses pas, tu es parmi ces gens-là. Parce que si nous prêchons que tu abandonnes la vie de Christ, que tu abandonnes le péché, mais les gens expriment les choses de l'ailleurs. Toujours la position comme il a Makaya. Pourtant, il y a un esprit qui te dit en toi de rester dans la position de prendre le champ. D'ailleurs, on connaît la cabine, hein, dans quatre paquets. D'ailleurs, on vous mentionne là-bas sur le papier des. Et ça nuit à la santé. Cela nuit, dérange, dérange ta santé. Bon, vous voyez pas que c'est tout un esprit. Pour dire simplement que c'est tout un esprit. Amen. Ma comédie, ils ont perdu sa santé. On t'a dit que ça détériore ta santé. Mais, à son bas, quand même, tu es là toujours en train de fumer. Son appelé, pour ceux qui ont ma salle, se sentir à l'aise. Là, quand il est devant l'alcool, il est très à l'aise. Ils sont tous à l'aise, ils sont tous à la parole. Nous sommes à l'aise quand nous écoutons la parole. Là, tous au bien. Et là, nous sommes très joyeux. Et Dieu bénisse. Amen. Il faut les banabons. Et il y a trois présentations dans l'année. Il existe trois présentations dans l'année. Et que dimanche, tu commences à y avoir maintenant, point par point. Et le dimanche, nous verrons cela point par point. Parce qu'il y en a quatre, il y en a avant cela. Présentation, il y a l'année. La première présentation. Et là, Jésus là, qui présenté devant l'Éternel dans ma colo. Amen. C'est Jésus qui fut présenté au ciel. Mais à toi qui n'a mis son nuance. En lui nous étions. À matin n'a mis son. Il est monté avec nous. Éphésiens 2, verset 6 et 7. Éphésiens 2, verset 6 et 7. Et nous dit, on sait quoi n'a Jésus. Dit que nous étions ressuscités avec lui. Nous sommes montés avec lui au ciel. Il a dit, voilà pourquoi tu verras dans l'ombre. Ribé n'a pas dit n'a pas. Dans les camps. Mais il est dans le livre de la tolo, il y a la bazar de mon âme. Il était aussi sur la poitrine comme une pierre précieuse. Mais il est là où il parle à terre. Et là, il était comme une pierre précieuse. Ribène n'a qu'un papi pour corriger. Ribène dans les camps peut être corrigé. Dans la zone à camp. Dans aussi dans les camps. Mais dans la zone dans la bazar. Mais il est aussi sur la poitrine du souverain sacrificateur. N'a pas la bazar, bazar, pierre précieuse. Mais sur la poitrine du souverain sacrificateur, là, il est comme la pierre précieuse. Dans les camps, tu verras les erreurs d'Adam. Pour corriger le missile, prends courage. Tu les corriges en lui fortifiant. La danse est là, baron. Et poursuis le chemin. Mais pourquoi ça n'a fait qu'à la déjà la tôle. Cependant, n'oublie pas qu'il est aussi sur la poitrine. Je l'ai dit, Christ est là, là, pour là. De la même manière que Christ est là-bas aussi. Dans ma tôle, au ciel, il se n'y a pas de ça. Nous aussi, nous sommes là-bas. Pour qu'il y ait la première présentation à l'année. Nous étions partis dans la première présentation dans l'année. Et Dieu bénisse. Amen. Alors, pour ça aussi, la deuxième présentation. Et nous avons également la deuxième présentation. Nous verrons cela et nous en donnerons des écritures. Parce que l'année à grâce. Car l'année de la grâce. La quatrième à votre zone, on a le que Christ a sauvé qui m'a quitté. Cette année-là, nous voyons la manière dont Christ avait. Et quand il est ressuscité, accueilli qu'on va présenter devant les pères. Il est parti pour être présenté devant les pères. C'est dans l'année. C'est toujours dans l'année. Et tu as la deuxième présentation. Et là, il reste la seconde présentation. La troisième. Et la troisième. Donc autant nous allons simplement lire les Écritures. Parce que nous sommes adorateurs de la parole. Car nous, nous sommes des adorateurs de la parole. Que le Seigneur la bombe ma casse. Que le Seigneur te garde. Zambé abate la yo. Il te protège. Na ou le temps où il faut le balayer, le maman, il faut le balayer.
Dans ce moment, si tu dois dire un mot à Dieu, il faut te sembler. Il faut que nous prions. Tonitika na maboko na Nzambe. Nous recommandons à toi. Et nous implorons au Seigneur afin de nous garder dans la sainteté. Ma péotika yango. Les mains, il faut les abandonner. O sepela makasi na Nzambe. Que tu te réjouisses de la vie chrétienne spirituelle. Ya moto motere ma mission. Voilà pourquoi nous allons nous tenir tous. O kosenga misongi na Nzambe. Va demander la grâce de Dieu. Que comme Dieu tu venais de me prêcher, remplis-moi à moi la nature de la parole. Prions au nom de Jésus. Tu règnes à jamais roche. Tu es le Dieu de toute éternité puissant. Tu es le Dieu de paix et de grâce. Molongi monene Nzambe na bia. Eki melo na solo Nzambe na bazapi. Bumbanga Nzambe na salela yo. Batela na Nzambe na salela yo. Bomo inangae to sami yo bana yo. Lisumu eza la mosika na ngai. Na koi samatena masengi nya. Tangola ngana mabenius. Matela ngai na tangola na kotosa yo. Bomba ngai Nzambe na biyano motie mora. Pisa omeke Jezu. Oui, yo ko sambela. Oui, tu vas prier. Et comment mis Satan a zali pour zongo le kaloko na kosi. Il est écrit le diable rôde autour de nous comme un lion. Avant qu'un y a dévoré. Cherchant qui le dévorera. Et au cas où venez à nos cinq habitants. Écoute, c'est quel est le lien avec une dimanche. Vous allez lui résister avec une entière foi. Aboki manosika na biso. Ainsi il fuira loin de vous. Et avant que tel est là et comment. Tu vas s'opposer contre la. Opposer les maladies sous mon lion sang. Toute forme d'impureté et toute forme des attaques au côté de la t'opposer à cela tout ça mérite à bon mot prions et Dieu règne à jamais roche délivre les âmes délivre le cœur de chacun. Soumouez à la musique, bindouez à la musique, la libotabane, la combonez, 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 la En dehors de toi, la personne semble de toi.
Yonde au Pangola. C'est toi qui délivres. Yonde au Sikora. C'est toi qui sauves. Yonde au Salakabola. C'est toi qui fais des portes pour tes enfants. Merci, Nanyan Chacha. Merci pour tout ce que tu as fait. Ngoluna yo etalisa. Ta grâce se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah. Tous ceux-là avec lesquels nous prions, nous allons débuter notre prière à 22h par la grâce de Dieu. Et la paix du Seigneur est à la mort. La paix du Seigneur soit sur chacun de vous. L'aimer au samedi, continue toujours la sainteté. Quand tu venais de prier, continue dans la sainteté. Quitte dans toutes les alliances des mauvaises alliances. La crainte de Dieu, c'est qu'il fait en sorte que Dieu s'approche encore plus prochainement de toi. Afin qu'il donne des solutions à tes problèmes. Dieu n'écoute jamais des déchets. Dieu écoute un déchet qui se répand. Désir de vivre la vie des puritains. Que la paix du Seigneur soit sur chacun.